Bonjour. Serbe ou bosniaque, beaucoup condamnent le traité de Dayton. Je suis allé voir toutes les communautés. Des dizaines d'années après la guerre. Et dans ce montage, je vais confronter les idées de celle-ci. Place aux témoins de cette guerre fratricide que je remercie d'avoir eu le courage de témoigner. En fait, après les accords de Dayton, les protagonistes du processus de paix ont décidé de diviser notre pays en deux entités, une qu'on appelle la République serbe et l'autre qu'on appelle la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Derrière cet immeuble, juste à 200 mètres d'ici, on a l'entité qu'on appelle la République serbe en Bosnie-Herzégovine. L'agresseur a reçu comme un cadeau. C'est absurde. C'est absurde parce qu'on parle de territoire qui a été ethniquement nettoyé. Après Dayton, il a fallu que je parte de ma maison. Mes voisins aussi. Nous avons été chassés des Dinjareci, car cette localité était donnée à la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Moi, je ne voulais pas y rester. Donc c'était en 1996, quand les accords de Dayton ont été appliqués. Oui, moi, je me suis réfugié à l'Est. C'est absurde. Donc, un pays qui a toujours eu ce caractère multiculturel, qui a défendu son pluralisme identitaire, ne peut pas fonctionner comme ça. Ça va exploser un jour ou l'autre. Les accords de Dayton prévoyaient, au plan politique, des échanges de territoires. La délimitation des zones correspondant à chaque entité ne correspondant pas aux zones de cessez-le-feu au moment des accords. Les accords politiques ont permis de transférer un certain nombre de territoires où étaient stationnées des troupes serbes et des populations serbes à l'entité bosniaque et inversement, avec effectivement une majorité de transfert de territoire serbe vers l'entité bosniaque. Et ça s'est passé comment ? Eh bien, ça s'est passé mieux que nous le pensions, parce que nous pensions qu'il y aurait davantage de combats. Ça ne s'est pas passé sans drame, puisque pour la ville d'Ilidza, par exemple, qui était à proximité immédiate de l'aéroport, cette ville est dominée par quelques minarets, mais surtout par des clochers d'églises orthodoxes. L'ensemble de la ville passant sous contrôle de l'entité bosniaque, les populations serbes ont dû abandonner leurs maisons,
leurs églises, leurs cimetières. Ça ne s'est pas fait sans drame. Il était dans son équipe. Mais qui nous parle de son pote? À la fin, quand Dayton a été signé, nous nous sommes tous retrouvés comme s'il n'y avait jamais eu de guerre. On a jeté nos armes. La politique est vraiment très bizarre à Sarajevo. Il s'agit d'un petit cercle de gens qui veulent dominer. Ils veulent des carrières. Ils ont tous bâti leur carrière sur ces croix blanches. Nous, on ne demande qu'une chose, du travail pour vivre, pour survivre. Je n'ai jamais entendu parler qu'une personne normale se soit enrichie grâce à la guerre. C'est plutôt le contraire. Il n'y a que les chiens de guerre et les politiciens qui en ont profité, ne sachant pas résoudre les problèmes que nous avions autour d'une table, mais par-dessous la table. Tous les postes intéressants de l'État sont entre les mains de nos dirigeants et de leurs familles. And Goran is still my friend. Nothing can separate us. Even political. Fucking politicians. They made from these people here poor people. But what are we gonna do? We live together like before. Everybody lose, nobody win, except criminals. Nobody. Welcome to Sarajevo. Et maintenant, il suffit de voir ces hommes allongés sur le sol devant le Parlement. Des hommes qui se sont tirés les uns sur les autres, qui aujourd'hui se sont réunis sous le drapeau bosniaque et exigent de concert la reconnaissance de leurs droits. La plupart d'entre eux viennent de comprendre qu'ils ont été dupés par leurs leaders politiques, par les nationalistes. S'ils avaient su ce qu'ils savent aujourd'hui, jamais, je dis bien jamais, ils ne se seraient tirés dessus. Jamais, ils auraient fait la guerre. Bravo, maestri, šampion. Pa se ti igraju sa polfinale, finale i ostaje. Drugo. Izvolite. Pa istinu vas. Da, jeste. Evo ga sada šampion. A to je da je prilikom spavanja. Živeli. I dobar borac. Zdravo, isto vas. Ali, narod ili ne vidi ili neće. C'est la politique. On n'avance pas. Rien, absolument rien n'avance. La politique au niveau de l'État, les cantons ne font rien. C'est une politique nulle. Le système des trois présidents, on ne peut rien faire avec ce système des trois présidents. Notre représentant ne peut rien faire si les deux autres ne sont pas d'accord. Personne ne peut rien faire. Le système est complètement immobile. Thank you.